Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo assez bizarre, on va dire. En fait, cette vidéo sert justement à juste à faire un récap pour sur toutes mes, je vais poster la même vidéo sur toutes mes chaînes, mais faire un récap en fait de justement quoi retrouver sur quoi sur quelle chaîne. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par la plus facile pour moi à présenter, la chaîne Ibi Otaku Hentai. Et comme tu l'entends, le mot Hentai, en fait, c'est une chaîne qui va parler de manga pour les 18 ans. Voilà, Ichi slash Hentai, donc où tu as des relations d'adultes, etc. Pour la chaîne Ibi Otaku, elle est assez vaste au niveau du thème phare, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir au final l'Asie en général. Donc, je m'explique. Tu peux avoir la présentation de manga, d'anime, de films humains. J'en ai un sous la patte. Voilà, de films humains, de goodies en rapport avec les mangas, de K-pop, de dégustations asiatiques, donc coréennes, japonaises, thaïlandaises, etc. Tout ce qui fait Asie. Et aussi, prochainement, j'espère un jour faire aussi des vidéos voyages en Asie. Et donc, je dis bien Asie et non pas que Japon ou Corée. Hein, voilà, ni que la Chine aussi. Mais vraiment, Asie, il y a plein de pays qui m'intéresseraient de visiter. Donc, voilà, je sais que si je dois partir dans un pays, etc., ça, les vidéos finiront sur cette chaîne-là, ici. Parce que c'est sur l'Asie et que la chaîne est sur le thème Asie. Je le réinsiste, ce n'est pas que les mangas. Mais tu vois, un peu de tout aussi au niveau... Voilà, c'est manga, anime, figurine... tout ce que je viens de te citer en fait qui a un rapport vraiment d'abord avec le Japon, avec le style vestimentaire aussi, parce que en espérant que j'arrive enfin à perdre un peu plus encore de poids, peut-être que je te ferai des vidéos sur mon style vestimentaire qui est quand même vachement inspiré du Japon, voilà. Mais sache que c'est aussi principalement Asie, hein, ma chaîne. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi de la K-pop, qu'il y a aussi d'autres trucs, qu'il n'y a pas que du manga, etc. On va continuer avec la chaîne Les Collections d'Ibi, et comme tu l'entends dans le nom, ben, collection. Donc il faut savoir que je collectionne pas mal de choses, mais j'ai revu aussi mes priorités par rapport à certaines collections, et que, certaines même que j'ai abandonnées depuis. J'ai collectionné, je collectionne des goodies en rapport avec Pokémon, My Little Pony, j'ai fait du Pushin, j'ai tout ce qui va être aussi les Funko Pop. Voilà aussi, il va avoir les pandas, tout ce qui est un goodies panda, etc. Mais voilà, il y a plein, va voir sur la chaîne, il y a vraiment plein de choses. Il y a du Marvel, il y a du DC Comics, il y a du jeu vidéo, Mario, etc., etc. Donc voilà, c'est un univers assez vaste, les collections, et bah, il y a un peu de tout. L'ouverture de booster, les ouvertures de colis, des gachapons aussi. Aussi les gachapons, vu que c'est asiatique de base, c'est aussi sur Ibi Otaku. Voilà. Ensuite, la chaîne qui est un peu plus compliquée pour moi à décrire, ça va être Ibi World. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Ibi World a changé plusieurs fois de ligne directive et que je suis en train de vouloir encore changer. Mais avec ce qu'on a eu en début d'année, hein, t'as compris toi-même, j'ai pas pu faire exactement le contenu que je voulais et ça m'a fait pas mal de mal en fait, personnellement, honnêtement, de pas pouvoir faire ce que je voulais. Toujours est-il que donc la chaîne Les Collections d'Ibi, tu vas retrouver des avis sur des produits de beauté, des produits Lush. Oui, parce que Lush a une catégorie complètement à part. Des vlogs voyages, des room tours du coup d'hôtel, etc. Des vidéos blabla, ce que j'appelle des vidéos blabla, c'est les vidéos où soit story time spécial, par exemple, ben gros problème avec le train, etc., que j'ai eu quand je suis allée à Paris en novembre, ou j'ai eu un gros accident de voiture aussi en novembre, oui, le mois de novembre et la semaine même, là, c'était jamais deux endroits. Ensuite, tu vas avoir aussi des vidéos blabla, style une vidéo qui va te raconter ma vie sur ma dépression, etc. Qu'est-ce qui a fait que je suis en dépression, mon automutilation, harcèlement scolaire, des trucs comme ça. Pourquoi je ne me remets jamais en couple depuis que vous me connaissez, en fait je suis célibataire. Et pourquoi je ne veux pas me remettre en couple, pourquoi je ne suis pas en couple. Justement le fait que je sois peut-être aromantique, asexuelle, etc. Donc voilà, ça va être vraiment pas mal de sujets vastes. Ouais, je vais y arriver. Et depuis peu, j'essaie de faire des vidéos un peu plus sur le ton, un peu humour, voilà, détente. C'est-à-dire comme des vidéos que j'ai fait du coup avec ma meilleure amie principalement.
créé Hakimi, je te mets le lien, sa chaîne, justement, par exemple, juste des vidéos dégustation, marque VS Petit Prix, enfin, prix, c'est Leclerc, etc., la marque repère et la marque officielle, des vidéos challenge, etc., des vidéos voilà, qui sont détentes, qui font rire. Il y avait un projet que j'avais, mais même si, je pense que d'ici septembre, c'est d'ailleurs le projet qui en fait... que je veux financer avec Utip. J'ai très très peur qu'il y ait certaines choses que je ne pourrais pas faire sur ce gros projet de 6 vidéos à cause du coronavirus. Donc en espérant que ça tourne vers le mieux en France, parce que j'aimerais vraiment faire ces vidéos-là. Et déjà, je comptais les faire en juin, mais du coup, avec le corona, j'ai repoussé ça en septembre. Donc voilà, et il y a pas mal de vidéos... dans le style, voilà, prank, etc., que je veux faire. En fait, ce que j'aime bien, c'est la chaîne de Pierre Cross, voilà. Pour te donner une idée de ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est... Je veux pas copier, soyons honnêtes, mais j'aime bien ce que fait Pierre Cross, par exemple. Voilà, il y a des trucs que j'aime bien. Et donc, pour terminer, j'ai une autre chaîne, je ne dirai pas son nom, parce que j'ai bien envie qu'elle reste un petit peu, tu vois, secrète, intime, etc. Je cherche pas du tout à avoir des 1000-2000 abonnés, tu vois, un truc comme ça. Et même la chaîne des collections d'Ibi, je m'en contrebalance. Mais j'avais une chaîne, du coup, pour mes abonnés, où c'était une chaîne principalement où j'ouvrais vos courriers. Et du coup, là, moi, la semaine où je filme, on est le mardi 12 mai. Et j'ai réussi à récupérer les mots de passe, etc. Parce qu'en fait, j'étais sur un autre ordi en 2019, j'ai changé d'ordi. Et en fait, je ne m'étais jamais reconnectée, du coup, sur cette chaîne. Et là, j'ai récupéré mes mots de passe, etc. Parce que je les avais oubliés entre-temps. Et donc, cette chaîne-là est réouverte. Et comme j'ai déjà actuellement, le jour où je filme 3 courriers d'abonnés en retard à lire, parce que j'avais fait exprès, je savais que j'allais... prendre une semaine de repos et donc que j'allais pouvoir en profiter pour essayer de récupérer cette chaîne. J'ai donc réouvert aussi cette chaîne là. Voilà, donc je suis quand même plutôt actif, hein, un peu partout. Si jamais il n'y a pas qu'un seul truc qui peut te plaire, je pense quand même que tu peux me trouver assez régulièrement. Chaque chaîne a son rythme, a ses heures de publication. Donc la chaîne, les collections sera postée pour l'instant au moment où je filme, hein, après ça changera peut-être, mais c'est le mercredi à 16h. La chaîne Hentai, pour l'instant, carbure à 2 vidéos par semaine, le lundi et le jeudi. Si jamais j'ai un décalage, c'est le mardi. Et si jamais le jeudi, je peux pas, c'est le vendredi à 18h. La chaîne Hentai, c'est le plus tard. Donc, pour terminer, les chaînes Ibi Otaku plus la chaîne Ibi World, elles postent à 17h. Ibi World, j'essaie pour l'instant de rester à minimum une vidéo par semaine le jeudi à 17h. Et la chaîne Ibi Otaku, bah, c'est assez irrégulier. Donc je t'inviterai à aller voir tout simplement le premier de chaque mois, la vidéo qui s'appelle Planning, par exemple mai, planning juin, etc. pour savoir le rythme de la chaîne. Voilà. Donc j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à aller voir dans la barre d'infos pour me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis présent du coup pour mes chaînes sur Facebook, Twitter et Instagram. Je suis aussi présent sur Snapchat, Discord. Et donc j'ai un compte Utip si tu veux regarder une petite pub et donc aider à la participation des projets vidéo. Voilà, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye !